partez où? On peut venir soir les gens comme ça. Ils sont un peu mon maléquinage là. Ne venez pas me déconcentrer. C'est où l'on m'a inspiré, là vous voulez déconcentrer les gens. En collège. Par contre, je dois prendre ma chaussure. Toi, moi, je suis là-haut. Faut pas déranger mon direct. Voilà, les enfants sont venus déranger mon mannequinage. Je suis en train de faire là. Adama. On ne me dit ça depuis là. Voilà, vous venez perturber mon direct maintenant. Là. Partagez la vidéo, mettez. Abibert 2. Comme on a commencé tard, donc là je lance. Oui, j'attends que les enfants n'ont qu'à me libérer. On peut faire ça. Hein? Ah, j'ai pas encore mis de numéro parce que vous devez appeler aujourd'hui. Vu que on a stoppé. On a stoppé le direct. Donc, ça c'est bon? Oui. C'est pour ressortir encore. Hein? Adama. Ils sont les enfants sont venus perturber. Je n'ai pas entendu. Ça va même me placer là-bas, je faisais mon direct tranquillement. Je me mettais là-bas. Hein? Ils sont venus perturber mon direct là. Partagez. À Vubuzz 2, mettez à ceux de Douaou. Parce que le direct d'hier là, j'ai commencé ça tard. C'est pour ça que je lance. C'est bon? Ouais. On peut faire ça. Désolé, hein. J'étais occupée avec les enfants là. Ils sont venus me déranger. Hein? Ils ont perturbé mon mannequinage. D'abord, vous pensez que c'est vous seul qui êtes fine, moi je suis plus fine que vous. Ah. Vous pensez que c'est vous seul qui savez porter gaine, moi aussi je porte gaine. On n'a qu'à porter les gaines vivants. Vous pensez que c'est vous seul qui savez porter gaine. Une photo. Waouh! Même photo, même est étonnée. Vous pensez que c'est vous qui savez porter? Oh, il y a dit, mon mannequin, faites les captures d'écran. Il a dit, faites les captures d'écran seulement. Faites les captures d'écran. Je laisse la terre.
Pas taire la crème, elle ne fume pas ici. J'ai dit faire les captures de grand. On dit si poupée Barbie. J'ai dit poupée Barbie aujourd'hui là. Ah, vous êtes formidable. Vous êtes adorable. Hey. En tout cas, merci beaucoup. Hein, le teint qui va avec. Merci beaucoup. Vous êtes... Les enfants là m'ont dérangé ici. Là. Vous voyez? Comment est-ce que vous me trouvez? J'espère que mon tissage n'est pas penché. Hein. C'est bon? Comment est-ce que vous me trouvez? Elle est la blondasse. C'est de ça que. Est-ce que mon tissage m'est bien placé même? Il y a l'impression que ça allait gauche-droite, mon cher. Mes enfants sont grands, mais oui, je suis une jeune maman. Hein. Je suis une jeune maman frère. Hein, le teint qui va avec. Mes enfants sont grands. Merci beaucoup. Non, mais pour souhaiter joyeux anniversaire à la Daichi, à la Queen, oui, à la reine de Facebook, il faut te mettre Zo. Voilà. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Il faut savoir que Monique Eta n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les gens Brakata. Ce n'est pas les stars Brakata. Donc, quand tu veux souhaiter joyeux anniversaire à une personnalité comme Manuel Keita, il faut te mettre dans la peau de Manuel Keita. Voilà, hein, le teint qui va avec. Il ne faut pas même t'asseoir une Brakata. Non! Parce que les Ekalons sont les femmes de valeur. Voilà. Ce sont des femmes de valeur. Attendez, il y a un numéro parce que vous allez appeler hein, pour souhaiter joyeux anniversaire. Hier, on a commencé un peu tard. Donc, aujourd'hui, ça va. Là, je mets le numéro. C'est pour cela que j'ai envie de commencer. Alors. Donc là, je vais mettre le numéro. Comme ça, vous allez appeler. Quelqu'un a dit quoi? Voilà. Donc, quand tu viens t'asseoir pour souhaiter joyeux anniversaire à une personnalité. Voilà. J'espère que je suis bien parce qu'il y a les trucs ici. À une star. Oui, à une personnalité comme les Emmanuel Keita. Il faut te mettre bien en valeur. Et le thème qui va avec. Je ne vais pas venir m'asseoir. Mrakata. Non. Je ne vais pas venir m'asseoir avec un morceau de pain. Pour souhaiter joyeux anniversaire à une personne comme Emmanuel Keita, il faut que je me mette dans la blondasse. Regardez, je suis en toute blonde. Il faut que je me mette dans la blondasse avec le teint qui va avec. Et puis, je vais vous dire, hein, voilà, la duthesse, qu'on porte les blondes comme cela, là, ce n'est qu'à aller avec le format du visage. Hein? Je ne sais même pas si ma perruque, c'est droit ou bien si c'est penché. Ce qui est sûr, j'ai porté quand même. Oui, 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 oui. Ce qui est sûr, validé. Quand vous voyez même là, est-ce que ça ne va pas être le format de mon visage? On ne porte pas quelque chose parce que tu as envie de porter. Ne mets pas le blond parce que tu veux ressembler à une blondasse. Il faut porter quelque chose selon le format de ton visage. Ce n'est qu'à elle, hein? Selon, hein, ce n'est qu'à aller avec, oh. Vous voyez, ça me va super bien, voilà,
Est-ce que ça ne me va pas? Vous-même, regardez. Regardez la blondasse. Est-ce que ça ne va pas avec ma morphologie? Ça va avec ma morphologie. C'est comme ça. Il ne faut pas porter quelque chose parce que tout le monde a porté. Il faut porter parce que ça va avec ta morphologie. Avec un visage, c'est-à-dire un tout petit visage, mais rond. Vous voyez? Et ça va avec mon visage. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, imaginez, hein, regardez un petit truc. C'est-à-dire que je vais dégrader le style. Regardez un peu. Comme est-ce que on dirait quelqu'un qui se trouve à Angelo Velas. Ah, mes enfants, là aussi sont partis. Et Las Vegas. C'est qu'elle suit aux États-Unis là-bas. Hein? Maintenant, je porte les lunettes de la gloire. Regardez comment ça fait sortir. C'est-à-dire que la beauté de la perruque. Hein? C'est ça. C'est-à-dire que le style est tout simple. C'est-à-dire avec un tout petit maquillage qui n'est pas trop débordé. Tout ça, c'est pour souhaiter joyeux anniversaire d'abord. Hein? Tout ça, c'est pour souhaiter joyeux anniversaire. Avec un tout petit maquillage léger et puis sans filtre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sans filtre. Je vous ai dit, faites les captures d'écran. Voilà. Faites les captures d'écran. La duchesse. Viens voir comment. Il a dit, Jessica, il faut venir regarder comment on fait le style avec les couleurs de perruque. Toi, tu ramasses tes perruques là à côté pour aller déposer si tu es d'enfant des gens là. Viens regarder comment se comporte et on met une perruque en valeur, sans filtre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que tout léger. Est-ce que vous voyez? Voilà, je suis en blondasse. Là, je ressens à une blondasse de la gloire. Bref. Bon, famille. Vous savez, aujourd'hui est un jour spécial. Oui. C'est un jour béni de Dieu. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de gloire. Aujourd'hui, notre Daishi, oui, notre Daishi, la queen, la petite sœur de Mark Zumambo, a ses un an de plus aujourd'hui. Elle est un an là, ça se fête. Oui, ça se fête. À temps normal là, je devais prendre ma bouteille de Rihanna. Oui, une bouteille de Rihanna. Une bouteille de ceux qui ne connaissent pas bouteille de Rihanna, ça veut dire bouteille de champagne. Oui, ceux qui ne connaissent pas quand on dit Rihanna là, c'est bouteille de champagne. Comme vous ne connaissez pas, donc je vous donne en bouteille de champagne. Voilà. Mais comme pendant les fêtes, j'ai tellement, vraiment, je vous dis, j'ai tellement bu que même la boisson est étonnée. Il y a tellement bu que la boisson même est étonnée. Donc aujourd'hui, là, j'ai dit non. Parce que si j'ouvre la bouteille de champagne, ça va rester, ça va se gâter. Donc, je vais m'asseoir et puis souhaiter joyeux anniversaire à notre queen. Donc, je précise bien, pour des personnes qui ne connaissent pas Rihanna, c'est champagne. Comme ça, vous connaissez. C'est champagne. Voilà. Donc, allez-y dans les boutiques, là, demandez Rihanna. Ils vont vous donner. C'est une champagne, pas comme les autres. Oui, champagne de la gloire, c'est ça. Donc, avec le thé qui va avec, aujourd'hui, je suis l'ova dans la peau d'une blondasse. Hein. Aujourd'hui, je suis l'ova dans la peau d'une blondasse. On continue. Comme aujourd'hui, je vous ai dit que Emmanuel Keïta est un nom de Dieu. Emmanuel Keïta est un nom qui signifie Dieu est avec nous. Je me rappelle très bien lorsque on était à la conférence le 4 décembre 2021. Je me rappelle les personnes qui étaient là, j'espère que vous vous rappelez aussi. Lorsque notre grand-mère, notre mémé, la maman de notre queen, Emmanuel Keïta a pris le micro où elle disait il y avait un ange qu'elle était enceinte et un jour comme ça l'ange apparaît elle lui dit la fille ou bien l'enfant qui
est dans votre ventre là. Donnez-lui le nom Emmanuel. Oui, pendant sa grossesse, quand elle n'a pas encore accouché, la petite soeur de Marc Zoumambo. Oui, la petite soeur de Marc Zoumambo aujourd'hui qui traumatise les gens. Aujourd'hui, même quand elle met le parfum, depuis son bon cœur, l'odeur du parfum prend Facebook et tout le monde est en transe. Tout le monde est en éjaculation précoce. Même les gens sont bandés, ils ne sont pas ceux-mêmes qui ont des kikinettes sont bandés. Oui, et cet esprit se lui est dit, l'enfant qui est dans votre ventre, donnez-lui le nom Emmanuel, Emmanuel. Oui, donnez-lui ce nom-là, Emmanuel, jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est-à-dire, la personne apparaissait, elle lui dit toujours, ce nom-là, le ventre-là, l'enfant doit s'appeler Emmanuel. Et quand la petite sœur de Marc Zoumambo est née, la maman demandait qu'Eita lui ait donné ce nom, Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification d'Emmanuel, je vous donne la signification. Ça signifie Dieu est avec nous. Et ce petit nom-là aujourd'hui qui traumatise le monde entier, les gens se posent la question, mais qui est cette fille? Oui, mais qui est cette dame que tout le monde entier parle d'elle, que tout le monde l'aime, que son parfum est aussi plus fort que le parfum de Macron, son parfum est aussi plus fort que le parfum de Marc Zoumambo, malgré qu'elle allait dans son bon cœur. Mais il y a eu la guerre derrière. Il y a eu la guerre nucléaire. Il y a eu la guerre de Russie. Il y a eu la guerre des États-Unis. Il y a eu la guerre. Juste qu'on ne comprend pas. On se pose la question. Mais qui est cette fille? Malgré ce repose, mais les gens continuent de lancer les bombes nucléaires. Ils ont lancé. Ils ont relancé. Même Marc Zoumambo, même qui a créé son Facebook là, il n'est pas connu comme ça. On ne parle pas de lui comme ça. Mais aujourd'hui, la princesse, la reine des reines, a un an de plus. C'est de ça qu'il s'agit. Elle le teint qui va avec. Oui. Eh oui. Aujourd'hui, la petite sœur de Marc Zoumambo, celle-même qui détient la clé des réseaux sociaux, celle-même qui détient la clé de Facebook, celle-même à qui Marc Zoumambo a remis la clé de Facebook. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont au chômage. Oui, parce que la petite sœur de Marc Zoumambo est en congé. Oui. Parce que la petite sœur de Marc Zoumambo est en congé. Il y a plein de personnes qui sont au chômage. Oui, qui sont au chômage. Ils se disent, mais ah, c'est comment? On est là, on est au chômage, c'est comment? Mais la petite sœur de Marc Zoumambo aussi a duré d'être. Elle est capable de nous ouvrir la porte là. Depuis on est couché devant le portail là, elle ne sort pas. Oui, depuis on est couché devant le bouquin, la petite sœur de Marc Zoumambo là aussi, elle a trop duré, hein? Ah, c'est quel congé prolongé ça? On dit, calmez-vous un peu, reposez-vous. Quand on travaille là, on a quand même du repos. Oui, même la repère internationale, elle a le teint qui va avec. La seule repère qui est combattue mais jamais égarée. Oui, qui a traumatisé même ses adversaires, qui a traumatisé même des refoulés depuis la Maca. Elle-même là, elle prend congé, même elle travaille, mais elle a congé. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le jour où Emmanuel Keïta a ouvert les yeux, où elle a pleuré, nye, nye.
Oui, que les portes se sont ouvertes, que les étoiles ont commencé à descendre sur Emmanuel Keïta. C'est un jour saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? J'ai dit, j'ai envie de prêcher. Appelez-moi aujourd'hui la prophétesse, la seule perroquet, la seule ropero, combattue mais jamais égarée. Elle le teint qui va avec. Est-ce que je vois le cœur ce matin? Oui, j'ai envie de prêcher. Pendant que je parle, oui, je vois les étoiles déjà. Je vois les étoiles. Je vois le ciel qui est ouvert. Et je vois déjà une lumière appelée Emmanuel Keïta. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Je suis trop inspirée. Je veux voir assez de partage. Souhaitons ensemble joyeux anniversaire à Emmanuel Keïta. Vous savez, quand je prêche comme ça, actuellement, il y a quelqu'un qui a envie de se suicider. Il dit, mais c'est là même là, toujours. Il voit quelqu'un actuellement, son âme se promène. Oui, je vois quelqu'un en ce moment. Hein? Quand il voit le visage de Nova, quand il voit la joie de la blondasse, et le teint qui va avec, il dit, mais c'est là même. Il y a mon cette repère là. C'est là, c'est une repère. Elle n'a rien à faire. Hein? Mais quand le repère s'assoit, le teint qui va avec, et elle fait à talakou. C'est de ça qu'il s'agit. Elle fait à talakou comme ça. Son cœur veut tomber. Il dit, eh, hey, niawa, moi, j'ai tout fait. Oh. J'ai tout fait. Oh. J'ai tout fait. On m'a refoulé. Troisième refoulement. C'est bien sûr. On parle en flamboyant. Eh oui, je dis en 2022, là, parlons dans la flamboyalité. Je parle dans le flamboyant. On ne dit pas non, c'est qu'il est sûr. On parle dans le flamboyant. Celui qui a entendu le flamboyant sait qu'il a entendu ce que l'on est en train de dire. C'est de ça qu'il s'agit. On est assis par terre, le teint qui va avec. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, je ne veux pas être la Lova, je parle trop. Aujourd'hui, j'ai mis un numéro qui est là. Parce qu'on avait déjà commencé à souhaiter joyeux anniversaire à minuit. Vous savez, j'ai dormi à 3h du matin. Oui, oui, oui. J'ai dormi à 3h du matin. Parce que je n'avais plus sommeil. À 3h du matin, j'ai dormi. J'étais couché là, mais je n'avais pas sommeil. C'est à partir de 3h du matin que j'ai commencé à avoir sommeil. Et puis j'ai dormi. Je me suis réveillée en pleine forme. Avec le teint qui va avec. C'est l'ova, l'ova. Partagez la vidéo avec le teint qui va avec. Mettez assez de cœur pour la cune. Take care. Hey, take care. Hey, ici. Adama. Et dit, on peut dire comme ça, le teint qui va avec. Hey, take care. Mettez assez de cœur. Je veux voir ici le cœur pour Emmanuel Keïta. Mettez assez de cœur pour la queen, pour la daïchi des réseaux sociaux, pour la reine des reines. C'est de ça qu'il s'agit. Appelez, donnez-lui assez de doigts, donnez-lui des bénédictions. Mon téléphone est ouvert pour que vous appelez. Mes deux téléphones sont à votre disposition. Les deux téléphones sont ouverts. Il faudrait que vous appelez. Pour souhaiter un anniversaire aussi vibration, vivre un anniversaire aussi grand Dieu, même nous s'ils ne sont pas sur les places, mais on peut, c'est-à-dire qu'on peut lui souhaiter la joyeuse anniversaire en distance, oui, parce qu'elle le mérite, tes cœurs, oui, tes cœurs, hey. J'ai dit, hein? On peut dire comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui! Le téléphone est là! Pendant que je suis en train de prêcher ici, je suis en train de préparer ça, ce grain avec la Kali, hein, le teint qui va avec. Pendant que je suis zo, hein, le teint qui va avec, mais à ma gauche, je suis en train de faire placali, un sauce grain. Tout cela, ça fait partie de l'anniversaire. Après l'anniversaire, on mange un bon plat de placali. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Appelez. Venez donner les doigts à notre soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Premier appel. Chantez dans toutes les langues.
chantez en moré, chantez dans toutes vos langues que vous connaissez. Allô? Oui, allô, bonsoir, Louva. Bonsoir, madame. C'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à Emmanuel Keita. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, santé, prospérité, tout ce qui va avec. Amen. Il faut chanter aussi, hein. Il faut chanter aussi, hein. Ah non, par contre, j'ai pas une belle voix. C'est... Mais si tu veux, je peux le souhaiter un joyeux anniversaire dans ma langue aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous pouvez chanter. Je ne sais pas chanter, non. Oui, vous pouvez chanter dans votre langue. Ah, je vais le souhaiter un joyeux anniversaire dans ma langue. Oui. Donc, mais je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on vous écoute. Ah, Emmanuel Keita, paradis pour vous, Aminine, Majlinde de Facebook, Aminine ivoirienne, eu te amo muito. Merci beaucoup, madame. Vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Je suis capverdienne. Ok, d'accord. Merci. En tout cas, vous avez une très belle voix en plus. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci également. Bon après-midi. Bisous. Au revoir. Donc, appelez. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, maman. Bonsoir, madame. Oui, je veux souhaiter bon anniversaire à notre fille. D'accord, on vous écoute. Yeah. Je veux chanter en italien. Ok. Ok. Joyeux année. Oui, allez-y, madame, allez-y. Hein. Santiago e Ade, Santiago e Emanuela, Santiago e Ade, joyeux anniversaire, ma queen, ti amo tanto, tanto, tanto bene. Merci beaucoup. Je t'aime très, 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 très fort. Merci. Je l'envoie les beaucoup des ondes positives. Amen. Soit comblé des ondes positives cette année. Amen. Dans tous les domaines de sa vie. Amen. Bisous. Kero. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Appelez. Venez souhaiter à Bubez de. Allô. Allô. Oui, allô. Oui. Donc, c'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre queen. D'accord. Un jour spécial. Tous les couclisias, les oiseaux de mauvais augure, la serait-il de sa vie, qu'elle soit entourée de positivité et de bonnes ondes. Amen. Donc, je vais chanter pour elle en anglais. D'accord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Queen Eka, we love you. Happy birthday to you. So, happy birthday, Eka, we love you. Et puis, profite bien de ta journée. Allez, bisous. Bisous, merci beaucoup. De? Andy. S'il vous plaît, vous qui m'appelez sur ce téléphone-là, je suis en train de faire direct dessus. Donc, si vous appelez, ça bloque ici le direct. Donc, appelez directement sur le numéro que j'ai mis pour ne pas que ça bloque, ok? Attendez, hein? Yiki! Attends, man. On peut être sexy comme ça. Quand vous m'appelez que je coupe, ça veut dire que le téléphone ici s'est occupé. J'ai mis un numéro ici sur lequel vous allez appeler. Vous m'appelez ici là où je suis en train de faire le direct là. Ça va me bloquer. Hein? Ça va faire truc. J'ai mis un numéro sur lequel vous pouvez appeler, mais vous m'appelez sur le téléphone, je suis en train de faire le direct là. Ça bloque. Hein?
Ça bloque vraiment. Donc, le téléphone est là. Le téléphone est là. C'est pas mieux que je vais arrêter ce sauce là. Maman, ils sont en train de faire préparer ici. Ils sont en train de direct ici là. Ils sont en train de faire sauce graine. Et placali. Adama. Donc, avant que les gens en appellent, hein, on va mettre un peu la petite chanson pour le moment. Oui, Eka, elle est à l'honneur. Emmanuel Keïta est à l'honneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Elle a l'honneur aujourd'hui. Est spécial. Anniversaire spécial pour Emmanuel Keïta depuis le bunker. C'est de ça qu'il s'agit. Béoudé. Hey, même pas danser un peu. Adama, on peut faire ça? Oui, allô? Oui, allô, bonjour, Lova, Lova. Bonjour, madame. Oui, c'est pour juste souhaiter joyeux anniversaire à la cuisine. D'accord, on vous écoute. Ah, franchement, joyeux anniversaire à Emmanuel Keïta, qui est ma raison de vivre. Je l'aime de ouf. Franchement, j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça, pas mes parents. Ah, franchement. Je suis partout sur les postes où on lui souhaite joie. Où elle est, franchement, elle est là-bas. Amen. Longue vie à elle, franchement. C'est moi qui suis Conné Blondine, Flora, peut-être. Ok. Franchement, je l'aime de ouf. Merci beaucoup. Tu es ma soeur guérie et puis voilà, on est ensemble. Vous appelez les gens, la personne vous coupe, mais vous appelez seulement. Les gens louent comportement. Tu appelles la personne te raccroche. Il faut savoir que le téléphone est utilisé. Ah, vraiment. Il y a des gens qui chauffent cœur, quoi. Allô? Hello. Hello. Salut. Je veux souhaiter joyeux anniversaire à ma queen Emmanuel Keïta. D'accord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Suba. Happy birthday. Suba. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à ma queen, plein de songs positifs. Amen. On l'attend, on l'attend, on l'attend, on l'aime tellement, on attend juste son retour pour lui envoyer plein d'étoiles. Qu'elle reste telle qu'elle est et on l'aime. We love you so much. I love you. Merci beaucoup, madame. Merci. Ok, bye bye. Bye. Arrêtez de m'appeler sur ce téléphone-là. Je suis en train de faire live. Je fais un mec comme loup comportement. Tu appelles sur le téléphone, on coupe, mais tu appelles seulement. Il faut, si tu vois que quelqu'un est en train de couper ton truc là, il faut savoir que la personne, le téléphone est occupé, en train de venir dessus. Mais tu appelles, on te raccroche, tu insistes dessus, c'est quoi ça? Quand on te bloque une fois, il faut te dire, ah, quand le téléphone est occupé. Je ne sais même pas. On peut faire ça. La personne appelle. Je coupe. Si je raccroche une fois, il faut te dire que ah, c'est que la personne est occupée à le téléphone. Mais je coupe. Tu rappelles dessus. Je coupe. C'est quoi? Hein? Voilà, venez souhaiter. Un an de plus, ce n'est pas permis à tout le monde. Oui. Il y a les gens même qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là de fêter un an de plus. Actuellement, allez-y voir dans les hôpitaux. Allez-y voir dans les hôpitaux. Il y a des malades, il y a des familles qui sont en deuil. Ils n'ont pas vu les un an de plus. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, Emmanuel Keïta se lève en pleine forme, en bonne santé, malgré toutes les attaques, malgré toutes les vipendalations, malgré tous les harcèlements. Mais elle a eu le courage, elle a toujours la force et la santé. Venez aujourd'hui, venez lui donner
Plein de bénédictions. Allô? Oui, bonsoir Lova. Bonsoir madame. Je vous remercie pour ce direct. Je voudrais chanter pour Emmanuel. D'accord, vous écoute. Tu es béni. Tu es béni. Waouh, quelle belle voix. Tu es béni, Emmanuel, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Waouh, quelle belle voix. Voilà, Laura. C'était pour Emmanuel. Beaucoup de courage. On t'embrasse fort. And you are blessed. So, keep going. Merci beaucoup, madame. Vous chantez super bien. Vous avez une très belle voix. Waouh. Merci, Laura. Merci. Merci. Au revoir. Bisous à vous. Bisous, à vous, bisous, bisous, bisous. Oui. Waouh. On peut avoir ce genre de voix. La voix de la gloire. Oui. Elle a une voix vraiment qui peut guérir un malade. Elle a une voix qui peut faire marcher un paralysé. Un paralysé. Voilà. Donc, un an de plus, c'est pas permis à tout le monde. Oui. Un an de plus. Les gens souhaitaient son malheur. Oui. Les gens font seulement, je parle dans le flamboyant. Oui, les gens voulaient la faire disparaître sur les réseaux sociaux. Mais Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu qui est Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, n'a pas dit ça. Elle est encore née de nouveau. Oui, une étoile vient encore de tomber sur Emmanuel Keïta. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas trop parler. Hein? Je vous laisse le téléphone. Je ne veux pas trop parler. C'est le téléphone qui doit parler. Voilà. On va voir ici toutes les personnes qui aiment Emmanuel Keïta. Et aussi, une très bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer. Il y a la Ekalande, mais vous êtes formidables. Vous êtes des anges. Vous êtes adorables. Il y a la Ekalande qui ont fait un don. Oui. Qu'ils ont remis. Oui. À Hassan Yek. Attendez. Attendez, je vais. Il a fait même un discours. Ekalande, tu peux être fier. Partagez le direct, je ne vois pas. Voilà. Les gens, je ne vois pas les 5000 partages. Voilà, ya. Yeah. Je ne vois pas les 5000 partages. Je ne vois pas. Hassan Yek, voilà, qui a reçu les dons de la part de Ekalande. Vous êtes adorables. Attendez. Attendez d'abord. Voilà, je vais vous laisser écouter. La Ekalande a décidé. Waouh! La Ekalande a décidé que pour l'anniversaire de leur idole, ils veulent faire une action sociale. Et ils m'ont contacté et ils m'ont dit: Hassan, vu qu'on sait que c'est toi qui es dans le social matin, midi, soir, on veut faire une action sociale pour marquer le coup. Pour dire que nous sommes avec Emmanuel Keïta et nous, la Ekalande, nous sommes là pour apporter le bonheur et la joie aux personnes qui sont moins nantis que les autres. Donc, au début, moi, je pensais que c'était un petit amusement jusqu'à que je m'aperçois que je suis envahi. Et donc, je vais vous montrer déjà
l'ampleur des dégâts. Eucalan, tu peux être fier. Partager le direct, je ne vois pas. D'après les gens, je ne vois pas les 5000 partages. Je ne vois pas les 5000 partages. Je ne vois pas les cœurs. Voilà la Eucalan. La Eucalan a commencé doucement, doucement à envoyer de l'eau. La Eucalan a commencé à envoyer un carton. Donc là, nous avons des biscuits. Là, nous avons des couches bébés, comme vous voyez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. J'ai dit la Eucalan. La Eucalan, vous n'êtes pas n'importe qui. Oui. Vous n'avez rien à prouver. Quand vous parlez, vous agissez. Oui. Les gens vous ont traité de tous les noms. Et quand Hassel Yak, il a dit que lui, il a pensé que c'était de la plaisanterie. Lui, il a pensé que la Eucalan était en train de plaisanter. Il pensait que la Eucalan était en train de s'amuser parce que les gens ne croyaient pas aux Eucalan. Oui. Oui, les gens ne croient pas aux écalandes. On les traite de bafloteuses, on les traite de menteuses, on les traite de ceci, on les traite de cela. Même quand les gars veulent poser un geste, ils ont les doutes. Oui, même quand la écalande veut poser un geste, un acte aussi appréciable, ils ont encore les doutes, ils ne prennent pas au sérieux. Voilà, mais cette fois-ci-là, on dit laissez les gens parler. Oui, laissez les gens parler. Donc là, soyez fiers de vous les écalandes. Oui, on vous attribue mais tous les noms. Ce que les gens ne savent pas, ils vous attribuent ça. Mais ils ne savent pas, quand vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Et aujourd'hui, pour l'anniversaire de la Queen, pour l'anniversaire de la Daichi, l'influenceuse qui influence les influenceurs. Voici le beau geste aussi touchant. Un geste émouvant. Un geste vraiment que les gens ne s'attendaient pas à ça. Vous allez voir, les gens vont se lever pour dire oui. Ils sont allés faire les dons parce que nous aussi on a fait les dons. Vous allez voir les détracteurs qui vont bientôt sortir. Parce que les gens sont allés faire les dons, eux aussi sont allés faire dons. Ils sont toujours comme ça. Donc la Eucalan, take care. Soyez fiers de vous. Parce que vous avez fait un beau geste. Oui. Et encore plus de bénédictions. On continue. Eh oui. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle plus pour parler. On parle pour agir. Waouh. Vous avez fait fort. Attends, faut que je... Est-ce que les gens ont bien vu? Faut que je reviens en arrière un peu. Attendez, je vais aller en avant. Est-ce que les gens ont bien vu? On va aller un peu en avant. Parce que je pense que les gens qui sont là, les Eucalan moutons là, venez voir. On peut être zinzin comme ça. Je dis, vous qui êtes en train d'aboyer les Eucalan moutons là, j'ai dit, venez voir, vos maudia. Je vais bien vous montrer. Vous m'avez envoyé mon t-shirt de Eucalan et vous m'avez envoyé même des bouteilles de champagne non alcoolisées, comme vous voyez ici. Non alcoolisées. Célébrer ça. Donc déjà, on va souhaiter joyeux anniversaire à Eucalan et puis je vais péter la bouteille de champagne d'abord avant de commencer ce direct. Eucalan, merci à vous. Emmanuel Keita, en tout cas, ce que vous allez voir tout à l'heure, partagez la vidéo, la Eucalan, vous êtes le meilleur. Il n'y a pas l'homme pour vous. Vous pouvez compter sur sa Eucalan. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Tout d'abord, je voudrais péter la bouteille de champagne halal que les gens m'ont envoyé, la Eucalan, c'est-à-dire ils m'ont envoyé 3. Donc, Eucalan, joyeux anniversaire à toi, longue vie, plein de bonheur. Voilà,
le vieux père Hassan Yak est sur le live. Je vous dis merci depuis votre position. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les orphelins. Merci pour votre aide. Merci à toutes ces personnes que vous venez en aide. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu ajoute encore 100 ans sur votre vie. Parce que vous êtes un homme qui a la main sur le cœur. Oui, vous êtes un homme qui comprend, qui compatit à la souffrance de votre prochain. Je profite parce que vous êtes sur mon direct, Monsieur Hassan Yak. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Voilà, c'est l'Ova, l'Ova et le teint qui va avec. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la santé. Rien que la santé, oui. Parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Continuez d'aller toujours en aide à des orphelins. Continuez d'aller toujours en aide à des personnes qui n'ont pas de situation. Continuez. N'écoutez pas les gens qui vont rester derrière leur clôture pour dire que oui, ils vont trouver de quoi dire. Et ce que vous faites, c'est Dieu qui va vous dire merci. Dieu va vous rendre le sentier. Adama, mettez assez de cœur. Oui, pour M. Hassan Yek, il est sur le direct. Donnez-lui le cœur, parce que c'est un grand homme avec grand H. Oui, qui a la main sur le cœur, qui est prêt. Oui, qui est toujours prêt quand tu l'appelles. On ne l'appelle pas deux fois, il est là. Merci, que Dieu vous bénisse. On continue avec la Ekalande. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de santé, que Dieu te donne longue vie. Amen. Donc voilà. Ekalande, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. Merci. Bon. On va passer aux choses sérieuses. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mettez assez de cœur pour M. Hassan Yak. Ils m'ont contacté et ils m'ont dit à Hassan, vu qu'on sait que c'est toi qui es dans le social matin, midi, soir, on veut faire une action sociale pour marquer le coup. Et pour dire que nous sommes avec Emmanuel Keïta et nous, la Ekalande, nous sommes là pour apporter le bonheur et la joie aux personnes qui sont moins nantis que les autres. Donc, au début, moi, je pensais que c'était un petit amusement. Jusqu'à que je m'aperçois que je suis envahi. Et donc, je vais vous montrer déjà l'ampleur des dégâts. Ekalande, tu peux être fier. Partager le direct, je ne vois pas, d'après les gens, je ne vois pas les 5000 partages. Je ne vois pas les 5000 partages. Je ne vois pas les cœurs. Voilà la Ekalande. La Ekalande a commencé doucement, doucement à envoyer de l'eau. La Ekalande a commencé à envoyer un carton. Donc là, nous... Je coupe, vous m'appelez, je coupe. Arrêtez. Oui. Là, nous avons Jury. Là, nous avons des cartons de lait enfant, merci. Curry encore, homo, chips, biberon, pâte alimentaire, bonnet rouge, céréales, sardines, BF, au javel, riz en 5 kg, riz en 1 kg, tomate pâte, de l'huile, de la mayonnaise, cérélac, du lait, des mouchoirs. Donc, il y en
maintenant encore au dépôt en bas. Du savon, comme vous voyez. Donc, je vais vous montrer, ça c'est le bureau où je suis censé m'asseoir. Ouais, la El Karlan, vous avez fait fort. Ça, vous avez fait un bim. Où je suis censé m'asseoir. Taguez-moi, s'il vous plaît, Emmanuel Keïta. C'est très important. L'eau. Parfum de bébé. Flocon d'avoine. Nil. Tout ce que vous voulez. Nous sommes presque dans un supermarché aujourd'hui. En tout cas, presque. De champagne. Voilà une, comme on voit, que je viens de péter. Voilà une deuxième, d'ailleurs. Et puis, il y en a déjà un dans le frigo. Sans oublier aussi qu'ils ont envoyé des boissons. Donc, je vous remontre un peu ce que la E40 a fait depuis, tout ça, c'est en 5 jours. Wow. Voilà, pour dire joyeux anniversaire à leur idole. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des dons. Bon, j'avais un peu de dons. Et puis, ceux de la E-Calande est venu partager, distribuer. Voilà. Et ils ont mis tout ça dans ma main pour que je puisse les distribuer comme je veux aux nécessiteux. Sur ce, ils m'ont envoyé mon t-shirt de la E-Calande. Sur ce, merci beaucoup à... Merci beaucoup à Emmanuel Keïta et à sa E-Calande qui a fait un don magnifique et qui a fait parler leur cœur parce que ce qui est là aujourd'hui peut nourrir des dizaines et des dizaines de femmes. Eh oui. J'étais en train de préparer d'ailleurs un don. Donc voilà, la E-Calande. Non. Vous avez fait fort. Vous avez transformé. C'est-à-dire que son bureau a un supermarché. Ouais. Il n'y a pas long pour vous. Oui, il n'y a pas long pour vous. Les gens n'ont qu'à vous traiter. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à vous appeler les écalants moutons. Mais vous êtes les meilleurs. Oui, 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 oui. Vous êtes le meilleur abonné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là, 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 là. On voit qui aime. Elle était la meilleure blogueuse, la meilleure influenceuse de l'année 2021. Mais on a vu les gens ici qui ont eu les 0,03%. J'ai parlé dans le flamboyant. Je n'ai pas du nom de quelqu'un. C'est la flamboisité qui est là. Nous sommes fiers de vous, les E-Calandes. Vous agissez. Quand vous dites que je vais faire ça, vous le faites. Ça n'a rien à voir, les gens. Les mendiants. On ne parle pas de la mendiancité ici. Hein? Eh oui. On ne parle pas de la mendiancité. Hein, le teint qui va avec. Donc, le téléphone est ouvert, hein? Le téléphone est ouvert. Toujours. Tiens, famille. Je vais vous laisser quelques minutes, hein, parce que je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer actuellement sauce graine, hein, placalio. Ah! Quand vous me voyez, Zoé, ici assise là. Je suis assise par terre ici. Je suis en train de préparer sauce graine à côté. Hein, placalio. Donc, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler. Je vais rester avec vous quelques minutes. Voilà. Je vais rester en attendant. Je vais jouer un peu de musique.
Je vais jouer un peu de musique. Vous souffrez d'eczéma? Ne laissez pas l'eczéma. Et puis après, je vous laisse. Je vais continuer à aller faire ma cuisine. Je dois aller continuer à préparer. Ah oui! Eh oui! Donc, voilà, famille, je vais vous laisser. C'était juste une petite vidéo. Voilà, pour souhaiter joyeux anniversaire à notre sœur, à notre queen, Emmanuel Keïta. Un an de plus, ça va permettre à tout le monde. 365 jours. Adama, vous ne voulez pas me laisser aller préparer. Adama, on peut faire ça. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bah, tu es rayonnante ce soir, hein? Oui. Alors, c'était tout ce que je voulais anniversaire. D'accord, on vous écoute. Bah, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Oui. De belles choses dans sa vie. Elle est la queen, elle est la reine. Et que Dieu la bénisse et la couvre de ses grâces. Excusez-moi, je vais aller voir de l'eau. Oui, allez-y, madame, on vous écoute. Vous êtes à la peine, hein? Je souhaite un joyeux anniversaire. Oui. Que Dieu la bénisse. Que amen. Dieu la couvre de ses grâces. Elle est une reine, elle est une queen et qu'elle demeurera la reine et la queen de la toile. Et notre queen dans notre cœur. Amen. Merci beaucoup, madame. Et toi, tu es radieuse ce soir, tu es très belle et merci pour tout ce que tu fais pour EK. Merci à vous aussi, madame. Merci pour le soutien. Bisous, bisous. Au revoir. Désolée, je ne suis pas à côté parce que j'ai un peu la gorge qui est sèche. Voilà, à notre santé, hein? À notre santé, les gars. On part où ce soir, hein? On doit aller célébrer l'anniversaire de notre queen. C'est de ça qu'il s'agit, donc, à notre santé. Santé, Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, tu as un an de plus. Tu le mérites. Oui, tu le mérites. Joyeux anniversaire à toi. Santé de fer. Prospérité. Longévité. Amour. Joie. Que cette année-là, il faut trier ce qui est triable. Jette à la poubelle ce qui est jetable. Quand tu vas venir, tu viens comme une lionne. Oui, tu viens comme Saka Zulu. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, t'es un an de plus. Profite bien. Amuse-toi. Parce que un an là, il y a plein qui n'ont pas eu. Il y a plein qui n'ont même pas eu les un an de plus. Mais Dieu a permis de voir le soleil se lever. De voir le jour se lever. De voir le ciel s'ouvrir. De voir les étoiles briller. Ce n'est pas permis à tout le monde. Profite bien, amuse-toi, que Dieu te comble de joie, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, que Dieu enlève tous les saletés auprès de toi, que Dieu éloigne tous les déchets toxiques sur ton passage, que ton chemin soit éclairé, comme le ciel est éclairé de lumière, comme le ciel est éclairé des étoiles, que Dieu t'ouvre, toutes les portes qui sont fermées soient ouvertes. Toutes les portes qui sont fermées soient ouvertes en 2022. Profite bien. C'était ma manière pour moi de te souhaiter joyeux anniversaire. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont appelé pour souhaiter joyeux anniversaire. Merci à Hassan Yek. Merci, tu es un homme qui a le grand cœur. Tu es un homme qui a un cœur en or. Que Dieu te bénisse. À la santé. Tout ensemble, nous allons chanter 1, 2, 3. Parce qu'il faudrait que je chante avant qu'on boive ensemble ce petit jus. Bon, moi, je ne vais pas chanter en robin comme ça. Je vais chanter en français, mon cher. Ce qui est sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Enchanté. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Emmanuel,
toi tu refoules toujours. Toi tu refoules toujours. Toi tu refoules toujours. Et quand toi tu refoules toujours, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et quand continue de refouler, profite bien de tes 1 an de plus. Applaudissez pour la voix de la broye. Chantez ou pas? Est-ce que je n'ai pas bien chanté, Adama? On peut avoir tous les talents comme ça. Je vais m'aider à ce de qu'est-ce que j'ai chanté ou pas? Comment est-ce que vous trouvez la dédicace de la gloire? Hein? Hein? Je vais chanter en anglais même. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Eka. Happy birthday to Merci beaucoup. Attends, mon père tombé comme ça.